Et salut tout le monde, c'est XRouge et on se retrouve à nouveau sur jeuxvideo-stream.com. Et oui, le site maintenant ne s'appelle plus jeuxvideo-bip.fr, voilà. Petite censure de fortune, on voit comment on est payé ici. Non, je déconne, je ne fais que mes vidéos à mon propre compte, vous le savez bien. Donc pour cette vidéo test, je vous présente le dernier DLC de la licence Black Ops 2. Il s'agit du pack Vengeance sorti aujourd'hui même, le 1er août 2013. Donc sans plus attendre, voilà. C'est un DLC donc vidéo assez courte, vous savez qu'il ne me faut pas plus d'une partie, donc entre 5 et 8 minutes pour faire les détails de ce nouveau DLC. Voilà, je ne vous présente qu'une carte multijoueur, je ne fais pas le zombie pour ne pas non plus vous spoiler le jeu, vous connaissez ma façon de faire. Donc voilà, sans plus attendre, donc ce DLC est composé pardon, de 4 cartes qui s'appellent Cove, la carte où est-ce que je joue en ce moment même, des tours Rush, une carte qui a trait pour trait un turf de paintball, enfin un terrain de paintball, enfin un turf c'est pour ceux qui font du paintball comprendront. Et la carte Uplink, donc nous avions la copie conforme de Firing Range dans l'ancien DLC, le Uprising. Et maintenant nous avons la map Uplink qui est la carte trait pour trait de Summit de Black Ops 1. Voilà, donc pour les fans, ça leur fera bien plaisir, je pense. Voilà. Nouveau mode zombie qui s'appelle Buried, si je ne me trompe pas. Pas de nouvelle arme encore dans ce DLC, dommage, on était vraiment habitué avec le tout premier. Mais en parlant de nouvelle arme, quand même, sachez que vous avez un nouveau gun dans le mode zombie qui s'appelle le Raygun Mark, deuxième du nom. Bon, je ne vais pas vous en dire plus dessus. J'ai pu tester le mode zombie, j'ai testé les autres cartes. Donc voilà, je préfère pas vous spoiler la chose. Mais donc, enfin voilà. Vous le découvrirez par vous-même. À savoir que de plus, bon, ça ne considère pas le DLC, mais bon, des nouveautés, pardon, sont arrivées sur Black Ops 2. Nous avons les deux nouveaux camouflages Dragon et Cyborg. Bon, je garde mon bon vieux code Elite parce que c'est le plus joli, je trouve. Voilà, un style automne avec des têtes de mort, c'est plus sympa. Et donc voilà. Comme je vous ai dit, voilà, il ne me faut pas beaucoup de minutes pour pouvoir vous parler de Call of Duty, quoi. De toute façon, c'est vu et revu, on attend tous impatiemment Call of Duty Ghost. À savoir que voilà, je ne sais pas si c'est le dernier DLC de Black Ops 2, mais il est sûr d'une chose pour vous, ce sera le dernier DLC de Black Ops 2 que je vous présenterai. Car d'ici le prochain DLC, si je dois à peu près noter les dates de sortie des DLC, c'est le dernier que je vous présente, car d'ici là, la PlayStation 4, à mon avis, sera sortie, et je resterai uniquement dessus, je vais stopper la Play 3. Donc voilà. J'ai galéré, mais comme une merde, c'est impressionnant. Enfin, ouais. Donc voilà, c'est le dernier DLC en nom chez Treyarch que je vais vous présenter. Je voulais faire notamment une petite précision. Maintenant, sachez que voilà, je vous ai dit que je travaillais sur maintenant différents sites de jeux vidéo, notamment celui-ci. Sachez que voilà, pour ceux qui sont adeptes de ce site, je ne vais pas vous en dire plus, ce n'est pas à moi de vous le dire, ce sera plutôt au modérateur et au gérant de ce site. Sachez juste que voilà, le nom a été changé car voilà, quelqu'un le désirait. Mais bon, après, je m'aventure sur ce qui ne me regarde pas. Oui, voilà, ça sentait la Claymore, je savais qu'il y avait un gars qui allait camper. Enfin, bon, bref. Bon, bref, nous sommes. Jeux vidéo stream s'est mis en accord, voilà, pour échanger le nom. Et tout s'est bien passé, voilà, rassurez-vous, le site ne rencontrera pas de problème, on ne change pas nos activités. Vos streams seront diffusés toujours aux mêmes horaires et les mêmes personnes. Vous inquiétez pas, tout le monde est au rendez-vous. Et même moi, à la rédaction, même si je ne suis pas un streamer, je suis plutôt en second plan. Mais voilà, je serai là pour vous accompagner pour les tests rédaction vidéo de vos jeux préférés. Voilà. Parlons de ce site, alors parlons d'un petit peu de ce que je fais. Voilà, je suis nouveau dans ce site, ça fait même pas un mois que j'y suis. Vous m'avez vu avec la vidéo de présentation de Dynasty Warrior, le huitième opus de la série de Koei. Voilà, sachez qu'on a posté tous les jeudis, voilà, on postera tous les jeudis des vidéos. Faites par mes soins pour me présenter, voilà, c'est mon arrivée, je dois un petit peu faire avoir une double dose de boulot, mais bon. Sachez que si d'autres vidéos sont postées et qu'il n'y a pas l'intro, c'est parce que ce sont des vidéos que j'ai faites auparavant.
Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas que les vidéos n'ont pas été faites pour le site, c'est que voilà, je n'étais pas sur ce site avant, et comme moi je ne fais que des vidéos le jour des sorties des jeux que je désire, et bien voilà, faire une vidéo test tous les jeudis, c'est pas possible. Donc d'anciennes vidéos faites par mes soins vont être postées tous les jeudis. Donc voilà, vous inquiétez pas s'il n'y a pas l'intro, voilà, c'est uniquement parce que ce DLC sort le 1er août et que le 1er août c'est un jeudi, donc ça tombe aujourd'hui, que ma vidéo porte l'intro de JV Stream. Voilà, c'était une petite précision. Donc d'anciennes vidéos seront postées le jeudi et d'autres, voilà, après je continuerai sur ma lancée. Voilà, une tenait que de ma part. Je me suis pété avec mon avion en papier. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Voilà, on oublie, gros fail. Voilà, il me tenait, voilà. C'était un petit peu mon boulot de vous rassurer sur le point. Voilà, je fais partie de maintenant de cette communauté. On est très solidaires entre nous. Voilà, on fait tout ça pour le bien du site. Et il vaut mieux que vous soyez au courant de tout ce que l'on fait quand même. On va pas vous passer en second plan car les viewers d'un site de stream sont les premiers commentateurs et sont nos premières sources d'inspiration pour nos vidéos. Et heureusement qu'on a des interactions avec vous. Dieu merci. Voilà. Bon, mais on s'approche de la fin du score. C'était donc ma petite vidéo d'intro, voilà, pas grand chose à dire, mais bon. C'était surtout aussi pour faire le point sur le site en même temps, vous avez vu le jeu par vous-même. J'espère donc que ma vidéo DLC Vengeance de Call of Duty Black Ops 2 vous a plu. Je vous retrouverai donc prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, et à ciao!